Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir, extrêmement rare. Quand Stéphano Roy eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. Ça, c'est le bout dehors. Et ça, c'est le puits de chêne. Fais attention, t'es le bout dessus, va pas tomber! Papa? Viens voir le père vint et il regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon. Mais il ne vit rien du tout. Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre marin que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. Il choisit sa victime. Et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Le père l'envoya étudier dans une ville de l'intérieur des terres, à des centaines de kilomètres de là. Et pendant quelque temps, Stéphano, distrait par ce milieu nouveau, ne pensa plus au monstre marin. Tu vois ça? C'est de l'or. Et ça aussi. Et au bout, il y a des jaquets en or. Bâbord, jaune, tribord, jaune, tu te souviendras. Valparaiso. Valparaiso. Allez, hop là. Allez, mademoiselle. On va voir. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Allez, allez, on fait les cartes là et on traîne pas. Mais attends, vous m'avez pas mis les flèches, dans quel sens il va le bateau? Dans quel sens il va le bateau? Faut me mettre les flèches. La flèche. Entre ses phalanges minces, il tenait un petit galet arrondi. Le cas est un poisson de très grande taille, affreux à voir et extrêmement rare. Selon les mers et les riverains, il est indifféremment appelé colombère, calumbra, calungra, chalou, balou, calungra. Les naturalistes, fait étrange, l'ignorent.